Bonjour à vous tous, les amis, les pèlerins, les randonneurs, et bienvenue à cette deuxième série de rendez-vous consacrés à la découverte de la Via Francigena. Une façon de connaître le chemin et ses protagonistes, et surtout de partager des expériences de voyage. Eh bien, aujourd'hui, nous en parlons avec Cyprien Misinski, qui est professeur d'histoire à Paris. Cyprien, au printemps 2015, il y a 5 ans, a emprunté la Francigena sur son tracé italien. Il a fait ses choix parce qu'il disposait du temps à l'époque et parce qu'il aimait beaucoup l'Italie où il avait déjà voyagé un certain nombre de fois. Il est passé par Rome, mais son voyage n'a pas pris fin puisqu'il a décidé de poursuivre sur la Francigena du Sud jusqu'au port d'Otranto, dans les Pouilles. Cette deuxième partie du voyage fut assez différente de la première, plutôt solitaire et à l'époque, oui, on peut dire beaucoup moins balisée. Au bout de presque 2 mois et demi de marche, Cyprien est finalement arrivé à Otranto, destination finale. Pendant les mois qui ont suivi, il a tiré de cette démarche un récit de voyage paru en 2017. Via Francigena, traverser l'Italie à pied, que vous voyez maintenant, et on va en parler rapidement. Et depuis, il a fait d'autres grands voyages, notamment en Israël et Palestine, où il a tiré un récit de voyage-reportage paru en 2019, Une terre étroite, au printemps dernier, 2019, l'année passée. Il a traversé l'Espagne à pied en empruntant des voies secondaires du chemin de Compostelle depuis Grenade jusqu'au Cap des Finistères. Voilà, cette rencontre, en plus, s'inscrit parfaitement dans le cadre de la campagne Je marche en Italie, Io marcio in Italia, qui a récemment été lancée par des associations de pèlerins, de randonneurs, des experts. Et cet échange avec Cyprien, il va énormément nous aider à comprendre la beauté du chemin de la Via Francigena de 1 000 km de parcours. Aujourd'hui, ce sera avec nous aussi Martine Gautron, que nous remercions, vice-présidente, randonneuse et très grande passionnée de la Via Francigena. Voilà, alors c'est le moment de commencer. Bonjour Martine et surtout bonjour Cyprien. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois. Alors merci d'abord, bienvenue Cyprien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a déjà des amis qui sont en train de nous passer un bonjour. Et déjà Cyprien, tu es où maintenant? Et si j'ai bien compris, tu es à Paris. Oui. Donc, la première question, comment sont préparés au déconfinement les Parisiens à la phase 2? Eh ben, les Parisiens, comment se prépare-t-il au déconfinement? Pour le moment, bon, les gens reprennent un petit peu leur vie, en essayant de respecter un peu les fameux gestes barrières dont on a entendu parler ces derniers mois. Et bon, on va voir un peu comment ça évolue, mais c'est sûr qu'à Paris, il y a encore beaucoup de circulation du virus, semble-t-il. Donc voilà, faut rester prudent pour les prochaines semaines. Apparemment. Alors, en fait, bon, je demande à Martine, déjà Martine, tu es à Champlitte, n'est-ce pas? Dans le cœur de la Via Francigena en Bourgogne. Ah, les micros, tu dois allumer les micros, maintenant c'est sans. Ouais. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, voilà. Ben, je suis à Champlitte, en région Bourgogne-Franche-Comté, qui, comme la région de Cyprien, est encore en région rouge. Nous avons commencé aussi le déconfinement hier, mais nous devons de rester prudents. Voilà. Et alors Martine, en fait, bon, avant de laisser la parole à Cyprien, si Cyprien est là ce soir, c'est surtout grâce à toi. C'est-à-dire que tu avais contacté Cyprien il y a 2 ans et tu as lu son livre, si je ne me trompe pas. Et alors, je laisse à toi introduire un petit peu l'histoire de ses contacts avec Cyprien. En fait, Cyprien. Ce n'est pas moi qui l'ai contacté. Un jour, j'ai un jeune homme qui m'a passé un coup de fil. C'était donc Cyprien Misinski qui m'appelait parce qu'il savait que Champlitte, on gérait, on s'occupait de la Via Francigena en France. Et Cyprien souhaitait écrire un article dans un hors-série du magazine La Vie. Le hors-série voyage que j'ai là d'ailleurs, voilà, celui-ci. Et c'était tout début 2017, donc Cyprien m'avait appelé et on avait convenu d'un rendez-vous téléphonique donc pour parler de la Via Francigena avant la rédaction de mon article. Et pour me remercier, suite à ça, j'ai eu le grand plaisir, je dirais,
de recevoir de sa part son bouquin sur sa traversée l'Italie à pied. Et comme il se trouve qu'en fin, en 2016, j'étais arrivée jusqu'à Rome, j'avais moi-même fait donc, le chemin tout le long. Et c'était vraiment très agréable de lire son livre. Pour moi, j'avais l'impression de refaire le chemin avec mes yeux, avec mon cœur, mais aussi avec le regard et les écrits de Cyprien, qui, je trouve, a écrit ce livre avec beaucoup d'humour par rapport à ce que j'avais ressenti. Et voilà, je voulais le remercier. C'est vrai que quand on a mis en place ces lives sur la Via Francigena, j'ai tout de suite pensé à lui parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de cœur pour son ouvrage, pour le romancier, journaliste qu'il est. J'ai découvert qu'il était même historien, je crois. Donc, merci Cyprien, merci beaucoup. Voilà. Ben alors, merci à toi Martine et Cyprien. Ben, déjà, je passe un bonjour à Leslie, Elena et Paul qui sont avec nous. Et Cyprien, en fait, pour commencer notre voyage virtuel, déjà, quand et comment tu as découvert la Via Francigena, qui, bon, on connaît bien, c'est pas tellement connu encore en France, et pourquoi, surtout, tu as décidé un certain moment de partir à pied? Alors, déjà, je remercie Martine Gautron pour ses gentils mots. Et alors, pourquoi, comment? En fait, en 2015, j'avais à peu près 6 mois, à la fin de mes études, avant de commencer à travailler. J'avais du temps et par conséquent, je me suis dit que j'allais faire un grand voyage. Et au départ, je savais pas forcément où aller. J'avais un temps pensé essayer de faire un tour de la Méditerranée, mais enfin, les circonstances étant ce qu'elles étaient déjà à cette époque-là, c'était compliqué d'envisager de voyager tout seul. En baroudeur entre guillemets, routard, en Algérie, en Syrie, en Libye évidemment. Donc, je me suis dit que j'allais aller dans un endroit un peu plus tranquille. Et puis, je connaissais déjà un peu l'Italie. Enfin, j'y avais déjà voyagé, disons 6 ou 7 fois. Donc, je connaissais un peu l'Italie. J'aimais beaucoup l'Italie. J'aime toujours beaucoup l'Italie d'ailleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller en Italie et pourquoi pas essayer de marcher, parce que c'était une modalité de voyage, une forme de voyage qui m'attirait. J'avais déjà fait des voyages en VTT. Là, j'avais envie d'aller plus lentement pour davantage voir évoluer les paysages. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas un voyage à pied en Italie. Et puis, en traînant dans une boutique, je suis tombé sur un guide de la Via Francigena et j'ai regardé et puis je me suis dit, tiens, si ce tracé existe, si ce chemin existe, je vais l'emprunter. Et puis j'ai fait encore un petit peu plus de recherches et puis je suis tombé sur un guide en italien, celui de Tele di Mezzo, qui est le guide de la Via Francigena du Sud. Et voilà, donc comme ça, avec le guide en français des éditions Le Père, puis le guide en italien de Tele di Mezzo, je pouvais faire tout ce chemin. Et puis je me suis lancé, je suis parti d'Aoste, et c'était parti. En fait, tu étais parti en esprit modalité randonneur ou pèlerin, Cyprien? Alors un peu les deux, c'est-à-dire que, alors déjà j'étais pas vraiment randonneur avant, hein, c'est-à-dire que en gros je me suis lancé dans la marche en commençant sur la Via Francigena. J'avais pas beaucoup marché avant, presque pas en fait. J'avais fait du VTT, j'avais fait des chemins en VTT, mais pas de marche à proprement parler. Donc je me suis dit que la marche pouvait me plaire, donc voilà, il y avait cet aspect-là. Et après pèlerin, la Via Francigena c'est un chemin de pèlerinage. En fait, bon, moi, les lieux saints, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, mais néanmoins, je suis chrétien, et par conséquent, il y avait un peu cette dimension spirituelle, c'est-à-dire de dire que je mettais mes pas dans ceux de nombreuses générations, une multitude de générations de gens qui avaient marché sur ce chemin-là, et puis la contemplation de la nature, la contemplation de la beauté des paysages, c'est quelque chose qui aussi au sens spirituel me parle. Et puis j'aimais bien aussi être reçu par un certain nombre de, alors par des institutions, il y en avait des laïcs qui étaient super, mais il y a eu aussi des accueils dans des institutions religieuses
qui ont été très agréables. Donc, il y avait une dimension spirituelle aussi sur ce chemin. Je pense que c'est un chemin qu'on ne prend pas de manière totalement anodine. On ne fait pas un trek sur la Via Francigena, à mon sens. Voilà, y a une petite portée. Et j'ai l'impression que tous ceux que j'ai croisés, d'une manière ou d'une autre, avaient un peu cette idée-là. Ils n'étaient pas là pour faire du sport, je crois. Enfin, je crois pas qu'on soit là pour faire du sport sur ce type de chemin. Moi, j'étais pas là pour faire du sport. Après, je sais pas si c'était un pèlerinage au sens strict, mais il y avait cet aspect-là, un petit peu, malgré tout. Voilà. Oui, non, je pense que la plupart, il y a un petit peu voilà, ton esprit. Alors, je passe un bonjour à Louis Discours, qui est de Gargan, de Pouilly, en train de nous suivre. Donc, bientôt, on va arriver aussi à la fin de cette directe. En Pouilly aussi, c'est un petit peu la destination de notre voyage virtuel. Alors, si tu es d'accord, Cyprien, on peut commencer notre voyage virtuel, surtout les tiennes, les périples, à partir des Alpes d'Aoste. Sous Oui. les Alpes, jusqu'on a pensé de diviser en quatre chapitres notre voyage jusqu'aux Apennins, jusqu'à Rome, Rome, Benevento, Benevento, Otranto, avec des images que pendant ton intervention, je vais passer. Et donc, je laisse à toi la parole pour présenter la première partie du parcours, aussi s'il y a des anecdotes, des choses que plus tu as aimées, les longs du parcours. Alors pour la partie Aoste jusqu'aux Apennins, et ben moi j'ai commencé à Aoste parce que je suis parti en avril, début avril, et donc le col du Grand Saint-Bernard était fermé, c'était inenvisageable de commencer à cet endroit-là. Donc je suis parti d'Aoste, je connaissais pas du tout la vallée d'Aoste, et ben c'est vrai que pour un Français c'est un endroit un peu particulier la vallée d'Aoste puisque c'est un endroit bilingue, hein, beaucoup de gens encore parlent le français, pas forcément comme une langue maternelle, même s'il y a des gens qui le parlent comme une langue maternelle. Et en tout cas, le français est présent partout. C'est-à-dire que sur tous les panneaux, dans toutes les rues, il y a du français et tout le monde est à peu près capable de parler français, en tout cas la grande majorité des gens. Et donc voilà, c'était cette petite vallée alpine à moitié italienne, à moitié francophone, qui était bah, très sympathique. Et de très très beaux paysages sur les massifs. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'évolution du français, parce qu'on sent que le français, malgré tout, dans la vallée d'Aoste, il est un peu en train de dépérir, hein, probablement. Ça fait partie de ces langues régionales qui ont été les langues qu'on parlait pendant des siècles à certains dans certaines régions, et qui, bah, du fait de la modernisation, du fait de l'unification des pays, a tendance à un peu disparaître. Et on sentait bien que le français est un peu en train de devenir une langue étrangère dans le Val d'Aoste. C'est une langue que les gens connaissent, mais qui connaissent comme une langue étrangère. Donc ça me faisait un peu penser à une espèce de breton, enfin le français est en train de devenir un peu le breton du Val d'Aoste dans une certaine mesure. Voilà, une langue qu'on continue d'entretenir parce que c'est une langue un peu d'identité, mais qui n'est plus vraiment une langue vernaculaire, qui est plus une langue qu'on parle au quotidien. Et puis il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé dans le Val d'Aoste, c'est l'évolution des prénoms. Alors pour ça, je regardais les monuments aux morts et les avis nécrologiques qui en Italie sont placardés un peu partout et puis sont présents dans les journaux. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on voyait que sur les monuments aux morts, les gens qui étaient nés au début du XXe siècle, qui étaient morts pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, portaient presque toujours des prénoms français. Ils s'appelaient Marcel, ils s'appelaient Jean, ils s'appelaient François, etc., etc. Et puis après, il y avait ceux qui étaient nés pendant la période fasciste, et eux portaient tous intégralement des prénoms italiens. Et ça faisait partie de toute la stratégie d'italianisation de la vallée d'Aoste du fascisme, qui était un aspect très important de la politique fasciste dans les zones comme l'Alto Adige, comme le Haut Adige germanophone, de volonté d'unification du pays. Et donc là, les gens portaient des prénoms exclusivement italiens. Et puis, il y a la dernière période, c'était les gens qui sont nés après le fascisme. Et qui là, bon, il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui portent un prénom italien, d'autres qui ont retrouvé qui ont pris un prénom français, enfin, auquel on a donné un prénom français. Et puis voilà, cette variation dans le temps des prénoms, c'était quelque chose qui était assez amusant, assez fascinant. Et Val d'Aoste, c'est une région qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé vraiment extrêmement belle, et notamment ce qui était très beau, c'était les pentes. C'est-à-dire que la vallée d'Aoste, c'est une vallée, donc précisément dans le fond de vallée, il y a toutes les infrastructures de transport
Il y a toutes les la vie économique, hein, les entrepôts, les usines, les autoroutes, la voie de chemin de fer. Bon, ça, c'est pas très beau. Mais par contre, les pentes, c'est des microscopiques hameaux qui sont comme ça accrochés sur les pentes des montagnes. Et c'était vraiment une très très belle région. Enfin, j'ai une région vieillie où on sent qu'elle n'est pas très dynamique, mais qu'il y a des paysages magnifiques, des paysages alpins magnifiques. Après, bah, ça a été le Piémont en sortant des Alpes, le Piémont et la Lombardie, la plaine du Pô. Et alors là, pour le coup, ça a été la partie que j'ai le moins appréciée de toute ma traversée de l'Italie, hein, parce que, bah, alors, c'était peut-être une question de saison, c'était peut-être, je sais pas pour quelle autre raison, mais enfin, en tout cas, là, c'était vraiment la plaine parfaitement plate avec la grande agriculture industrielle. La riziculture, il y a beaucoup de riz dans la plaine lombarde, dans la plaine du Pô, voilà, d'énormes fermes avec presque personne dans les campagnes, uniquement d'énormes tracteurs, des odeurs de pesticides et d'engrais chimiques partout, des paysages tout gris et marron, de la terre retournée, de la poussière, de la boue, voilà. Donc c'était pas de beaux paysages. Les villes étaient très belles. Pavie, par exemple, est une ville magnifique. Mais par contre, c'est vrai que la campagne de la plaine du Pô, dans sa partie la plus plane, c'était vraiment pas la plus belle partie, j'ai trouvé, de mon voyage. Alors après, moi, j'y étais à une période, hein, le mois d'avril, où les rizières sont en eau, donc sont vraiment gadouilleuses, hein, c'est vraiment de la boue. Il paraît que c'est beaucoup plus beau enfin, la fin du mois d'avril, au mois de mai, quand le riz commence à monter en herbe et que ça devient beaucoup plus verdoyant. Mais c'est vrai que moi, la plaine du Pô, là, ça a été la partie un peu triste, entre guillemets, de ce voyage. En tout cas, c'était les paysages qui m'ont le moins parlé. Mais alors que Pavie, hein, par exemple, les villes étaient très belles. Et là, il y a une photo de Pavie qui apparaît. Ça a été vraiment une belle découverte, la ville de Pavie, avec des églises magnifiques. Il y a San Pietro in Ciel d'Oro, Saint-Pierre au ciel d'or, par exemple, qui est une église qui m'avait marqué. Et puis il y avait Je t'interromps en interruption parce qu'il y a voilà, en ligne, en fait, Oui. Paul Goy, qui est responsable de l'office du tourisme de Pavia. Et Oui. donc, en fait, voilà, ça tombe bien dans cette photo. Et Pavia, comme tu l'as déjà mentionné, c'est une très jolie ville. Et surtout, comme Paul nous rappelait, c'est vraiment un carrefour des itinéraires entre Oui. Saint-Augustin et Saint-Martin. Donc, c'est vraiment un carrefour des itinéraires culturels européens. Et oui, en fait, bon, comme tu l'as rappelé, c'est une. Tous les parcours de la. Bon, c'est plein, en fait, de la Oui. Lombardie, l'Emilia, c'est un petit peu dur et fatigant, parce que Oui. c'est surtout quand il fait chaud. Donc, il y Oui. a, à niveau agricole, il y a des spécificités, mais oui, je comprends bien ce que tu Oui. viens de mentionner. Voilà, donc, et puis après, bah, ça a été les tout débuts des Apennins du côté de l'Émilie-Romagne. Alors là, il y a une étape, je crois. Alors là, c'est l'abbaye de Chiaravalle qui est magnifique et que j'ai visité tôt le matin, enfin visité dans laquelle je me suis arrêté tôt le matin, avant l'arrivée de qui que ce soit d'autre, pardon. Et avec ces espèces de colonnes nouées là que je trouve magnifiques. Et ça, c'est vrai que c'était une très belle halte, par exemple, aussi, hein. Et alors, après, juste à la limite entre la plaine du Pô et les Apennins, il y avait une petite ville qui est Oriolita, qui est une étape vraiment fabuleuse, hein. Ça, c'est le village est magnifique. C'est posé sur une espèce de petite butte avec une grange médiévale fortifiée dans laquelle on loge, avec un palais rococo qui est superbe. Et puis le maire, qui est une personnalité extrêmement sympathique, qui, moi, est venu m'accueillir en vélo quand je suis arrivé dans le village, qui m'a amené dans son gîte, qui parle très bien français d'ailleurs aussi. Enfin, ça a été vraiment une belle étape, Oriolita. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé. Tout était très bien organisé pour les pèlerins dans cet endroit-là. Et c'était une belle étape. Juste après Oriolita, enfin très peu de temps après, je me souviens plus exactement combien de kilomètres, mais enfin, il y a la ville de Fidenza. Et Fidenza, je crois qu'il a été très touché par le coronavirus là, ces dernières semaines, il me semble. Et Fidenza, là, c'était aussi une ville très belle, et notamment la cathédrale de Fidenza était une ville magnifique.
Et il était magnifique. Et il y a quelque chose qui était frappant aussi à Fidenza. Je rebondis un petit peu sur le fascisme dont je parlais tout à l'heure. C'est que Fidenza, c'est une ville qui porte ce nom-là depuis en fait la période fasciste, parce que pendant toute la période médiévale, ça s'appelait Borgo San Donnino. Ça portait le nom d'un saint qui était le saint patron de la ville, hein, qui a un peu l'histoire de Saint-Denis d'ailleurs, puisqu'il a été décapité, il a promené sa tête, et puis finalement il a été enterré et il est devenu un saint. Donc ça fait penser à Saint-Denis, le patron, l'un des patrons de Paris. Et cette ville de Fidenza, en fait, Mussolini a décidé de l'appeler Fidenza parce qu'il voulait un peu effacer le passé chrétien de la ville, le passé médiéval et chrétien de la ville, pour revenir à la gloire de l'Empire romain, en lui redonnant son nom romain qui était Fidentia. Voilà. Merci Cyprien. En fait, là, tu sais, nous sommes le siège européen de l'association, est basée à Fidenza. Ouais. C'est un lieu auquel était très, très, très lié Jacques Le Goff, Oui. historien, qui a toujours aimé la ville de Fidenza, surtout la cathédrale de Fidenza. Et comme le disait, c'était l'ancienne Borgo San Donnino, liée à Oui. son martyre. Oui. Et voilà, en fait, nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs fois Jacques Le Goff. Oui. Et un vrai supporter de l'itinéraire de la Francina même, mais surtout de la ville de Fidenza. Avant, tu viens de mentionner oui, Oriolita. Oriolita, maintenant, notre vice-président est aussi le maire d'Oriolita. Et à l'époque, c'était l'ancienne maire d'Oriolita, Pierluigi Capelletti, auquel on passe un bonjour. Mais je demande à Martine, parce qu'en fait, la ville de la commune de Champlit, où il y a Martine et Oriolita, ils ont vraiment beaucoup de connexions. Il y a cette grange, comme on dit en italien, Oui. il y a beaucoup de voilà, connexions entre les deux et le même nombre d'habitants à peu près. Oui, c'est la même taille. C'est vrai que quand on a fait le chemin, c'est un endroit qu'on oublie pas. Et voilà, c'est vrai qu'un jour, on pourrait peut-être entrevoir un jumelage entre Friolita et Champlit. C'est peut-être quelque chose à étudier. Et avec le nouveau maire Francesco, qui est aussi sympathique et passionné également de ce chemin, je pense que vraiment, oui, il y a des choses à faire, bien sûr. Je reviens un tout petit peu sur ce que décrivait Cyprien lorsqu'il a traversé enfin, toute cette vallée du Pô, si on peut dire comme ça. C'est vrai qu'en avril, nous, on l'a fait aussi en avril. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps, moi j'ai découvert des choses que j'ignorais complètement, et c'est plutôt ça que je retiens. Ces immenses tracteurs avec des roues, je n'avais jamais vu ça chez nous, les roues de tracteurs, elles ont des pneus, là c'était des grosses, enfin, c'était vraiment étrange comme machine, et voilà, c'est tout. Merci, Marc. Je viens de lire et partager avec vous un message de Michel Thomas Pennec que je remercie et je passe un bonjour à Michel, toujours avec nous, qui dit il faut relire Jacques Le Goff. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un grand supporter, ambassadeur de la Francigena. Il a écrit aussi quelques articles pour la revue de la Francigena et pour nous. Et en fait, il avait bien synthétisé la Francigena en deux, trois lignes, comme est capable de faire, de raconter des milliards d'années des histoires dans deux, trois lignes. Il disait, la Francigena, c'est un pont entre l'Europe anglo-saxonne, l'Europe du Nord, et l'Europe de la Méditerranée, l'Europe du Sud, mais surtout, c'est un pont de culture, une voie de culture. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Jacques Le Goff comme grand ambassadeur de la Francigena. Et voilà, toi Cyprien, de continuer. Merci pour cette belle parenthèse. Et Massimo Tedeschi, qui est le président de l'EVF, lui aussi vient de Fidenza, et avec beaucoup de fierté, en fait, il dit, la ville de Fidenza a conféré la citoyenneté honoraire de la ville à Jacques Le Goff le 21 octobre 2000. Donc, Oui. nous sommes vraiment liés à Jacques Le Goff. Voilà. Oui. À Ah, toi qui de est continuer. un immense historien, qui est vraiment un des plus grands historiens, en tout cas que je trouve très agréable à lire et passionnant. Bref. Voilà. Alors, ben, j'en étais où? J'en étais à Fidenza. Et Oui, on puis, commence à monter sur la pénombre. exactement, je commence à monter les Apennins. Et ben, les Apennins, c'était un peu comme la vallée d'Aoste. Ça a été une région que j'ai trouvée, alors là, qui est encore plus vieillie, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment.
L'Italie vieillissante, hein, pour le coup, les Apennins, avec des villages qui sont en train de se vider. Alors, il y avait Berchetto, par exemple, qui était magnifique, avec cette église romane qui était superbe, avec là ce soldat romain, Saint Longin, qui plante sa lance dans le côté du Christ. Mais bon, de très belles montagnes, de très beaux villages, mais voilà, plus il n'y a plus aucune activité économique, hein, dans les Apennins. Donc c'est vrai que ce sont des endroits qui sont très beaux, mais en même temps un peu tristes, parce qu'on sent bien que la vie est un peu en train de s'en retirer, malheureusement, parce que voilà, c'est trop loin des villes, c'est trop loin des axes de transport, et qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans ces endroits-là. Donc Berchetto, par exemple, hein, c'était un de ces jolis villages, mais plutôt sur le déclin. C'est un peu l'impression que m'ont fait les Apennins. C'était très agréable à traverser, très beau, mais je crains que ce soit des régions en vraie difficulté, en tout cas avec peu de dynamisme, je crois. Non, c'est vrai que, Cyprien, dans les dernières surtout années, il y a une certaine tendance à redécouvrir Oui. les villages, surtout qui sont sur l'Apennin, comme Berchetto, par exemple. C'est des bourgs historiques, plein d'histoire, comme tu viens de mentionner. Et en fait, cette partie-là de la Franconia, on peut dire, c'est un petit peu la moins anthropisée de toute la Franconia en Italie, un petit peu plus sauvage, mais c'est vrai qu'il est plein de beauté, de charme. Et dans la nature, il a une véritable, voilà, beauté que tu peux découvrir à pied. Moi, je trouve que la partie de Fidenza Lucca, c'est un des plus authentiques et ça me plaît beaucoup. Bon, c'est moins connu que la Francigena, en Valle d'Aoste, en Toscane, mais oui, je le trouve très authentique. Et bon, en fait, en certain moment, tu aurais pu arriver sur les sommets et tu aurais commencé la descente La vers en, descente, la deuxième c'est partie ça. du chapitre. Voilà, oui, deuxième chapitre, entre guillemets, la descente vers Rome, la descente des Apennins. Et oui, alors, Luca disait que c'est la partie la moins anthropisée. Alors, moi, j'en ai pas vu, mais j'ai une fille que j'ai rencontrée sur le pèlerinage, une Allemande qui s'appelait Manuela, qui m'a dit qu'elle avait vu un loup. Alors, je ne sais pas si elle a voulu voir un loup et qu'elle a donc vu un loup, mais enfin, voilà, ça témoignerait peut-être de ce côté sauvage de cette partie des Apennins. Alors, descendre vers Rome, oui, alors d'abord descendre vers la côte de Ligurie, vers Sarzana. Et là, ce qui était très frappant, c'est qu'on entrait dans un nouvel espace avec de nouveau, hein, énormément de monde, hein. C'est beaucoup plus actif, hein, cette plaine de Ligurie, alors que les Apennins, hein, sont assez vides. Et Sarzana, bah voilà, c'était une ville de la côte qui a toute son activité, dans laquelle il y a une population, voilà, qui vient en partie de l'étranger. Il y a beaucoup de j'ai Je suis passé par un marché où il y avait beaucoup d'Africains. Donc quand on est français, c'est aussi rigolo de passer dans un marché où il y a des Africains, parce qu'on peut un peu parler français, avec les Sénégalais, avec les Ivoiriens, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Et donc c'était de nouveau un peu la vie moderne, entre guillemets. Alors, la vie moderne avec ses aspects très positifs, hein, parce que bah, ça permet de discuter, ça permet de voir de nouvelles personnes, et puis des aspects moins positifs qui sont cette longue plaine littorale qui est du côté de Carrare. Hein. Alors là, on voit un gros bloc de marbre de Carrare, le marbre qui a permis aux plus grands artistes italiens, aux plus grands sculpteurs de tailler leurs œuvres. Hein. Michel-Ange venait lui-même chercher ces blocs de marbre pour travailler, son David, sa Pietà, etc. Donc c'est une région qui est très active et qui a été urbanisée un peu n'importe comment, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux urbains qui sont très beaux, de jolies petites villes. Et puis après, bah, chacun a fait un peu ce qu'il voulait n'importe où, n'importe comment, le long des routes. Donc c'est vrai que c'est un long passage urbain sur le littoral qui est pas très enthousiasmant à traverser, même si les villes dans lesquelles on fait halte sont très belles. Il y a Pietrasanta, qui est un très beau petit village. Voilà, il y a ces Pietrasanta là, par exemple. Ça c'était très agréable, mais c'est vrai qu'ensuite les journées de marche sont moins agréables que dans les Apennins. Et puis Oui, là, il y on a en un arrive. petit peu plus d'asphalte, en fait. Oui. Entre Sarzane et Lucca, il y a certaines étapes qui sont un petit peu trop asphalte et Oui.
un petit peu trop urbaine, je suis d'accord. C'est voilà. Et puis après, ben, on arrive doucement en Toscane. Alors, on arrive en Toscane, ça veut dire qu'on arrive à Luc, qui est une très belle petite ville. Et puis ça, c'est des villes italiennes. Il y a qu'en Italie qu'on les voit. C'est des villes qui sont restées, qui n'ont pas, qui étaient d'assez grosses villes au Moyen Âge et qui n'ont pas beaucoup grossi depuis. Donc, quand on est à Luc, on est dans une ville qui est entourée de remparts et il n'y a quasiment pas de faubourg autour des remparts. Donc, c'est une ville qui semble avoir très peu changé, en tout cas dans son bâti depuis l'époque médiévale. Et c'est un bâti qui est magnifique, hein. Ce sont des villes, c'est une ville qui est superbe, comme la plupart des villes de Toscane, des bourgs de Toscane, mais avec cette spécificité que il faut imaginer, si on devait faire une comparaison, ben, je sais pas moi, la ville de Paris qui serait toujours cernée par l'enceinte de Charles V, quelque chose comme ça. Et à Lucca, c'est un peu ça. Alors après, ben, on entre dans la partie toscane de la Via Francigena, qui est une partie superbe, hein. On traverse des paysages qui sont magnifiques, les collines couvertes de blé, d'oliviers, de vignes, les petits bourgs au sommet comme San Miniato. Alors San Miniato Alto, où je me suis arrêté par exemple, il y a Monteriggioni par exemple, il y a aussi, alors là c'était vraiment un minuscule hameau, Abbadia Isola, où je me suis arrêté, où il y a une association, une confrérie qui accueille les pèlerins avec énormément de chaleur. Ça, c'est vraiment des étapes qui font chaud au cœur. Et puis, on passe par Sienne, bien sûr. Sienne, qui est aussi une ville superbe, un peu comme Luc, comme Luc. Mais hein, voilà, le petit défaut de la Toscane, je trouve, malgré tout, c'est que on sent que c'est un peu trop apprêté. C'est-à-dire que la Toscane vit beaucoup du tourisme. Elle sait qu'elle vit du tourisme et elle a un peu trop tendance à se préparer pour accueillir les touristes. Donc ça, c'est moi, c'est un peu la limite que j'aurais à cette partie-là, c'est que c'était superbe, mais que les paysages me semblaient un petit peu trop entretenus entre guillemets par moment. Voilà, ça, c'est vrai que c'était un peu la limite que j'aurais eu à ça. Après, voilà, on voit des paysages superbe, on croise un petit peu de voilà, c'est berger toscan, c'est toujours sympathique. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, ça a été la fin de la Toscane et notamment l'étape de Radicofani. Radicofani, qui est perché sur un piton et qui est vraiment une ville, un petit bourg magnifique, hein, qui offre une vue sur tout le Latium une fois qu'on est en haut et on descend à partir de Radicofani vers le Latium. Et là, cette descente vers le Latium, moi, les premières étapes de Radicofani jusqu'à Sutri, dans le Latium, le nord du Latium, je crois que ça a été la partie la plus belle pour moi de la Via Francigena. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus beau. C'est quelques étapes-là, avec des collines, on retrouve des bois. Il y a beaucoup moins de forêts en Italie qu'en France, en tout cas sur le tracé de la Via Francigena. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Et voilà, là, on retrouve des forêts, on retrouve des bois de chênes, des bois parfois très encaissés. Quand on arrive à Sutri, c'est une forêt qui est très accidentée. Et toute cette partie-là du nord du Latium, et notamment l'étape du lac de Bolsena, la vieille ville étrusque avec son lac, ça fait vraiment partie de mes plus beaux souvenirs, le nord du En Latium. fait, Cyprien, on peut considérer Radicofani, comme tu l'as mentionné, un petit peu la dernière sommet de la Francigena, pardon, la dernière étape, c'est un petit peu fatigant, on peut dire. Oui. Après, tu arrives là et ça commence un petit peu la descente vers Oui. là et le paysage, encore une fois, c'est très rural Oui. et tu es vraiment immergé dans une nature un petit peu sauvage. Et oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Oui. Et alors, tu mentionnes la Tuscia, et ça, c'est quelque chose qui historiquement était très rigolo. C'est-à-dire que les habitants de cette région-là, du nord du Latium, de la Tuscie, il disait, il y en a un qui m'a dit, alors je ne sais pas si c'est représentatif, peut-être pas, mais il me disait, nous, on n'est pas des Romains, on est des Étrusques, parce que la Tuscia, c'est au départ le pays des Étrusques, et puis il y a la ville de, ah, j'ai oublié, juste à côté de Bolsena, Montefiascone, peut-être. ouais, Montefiascone, qui était la ville où aurait été le sanctuaire des Étrusques,
le sanctuaire qui réunissait les différents peuples étrusques. Et donc, voilà, Bolsena, c'était une ville étrusque. Et donc, il y avait cette idée-là que, voilà, on avait une identité étrusque dans cette partie-là, qu'on était, on n'était pas Ouais. vraiment dans l'Latium des Romains, on était dans la Tuscia des Étrusques. Ouais, ça, c'était quelque chose de rigolo. Raconte-nous ton arrivée à Rome alors, Cyprien, la dernière journée. Alors, arrivé à Rome, oui. Donc, bah, l'arrivée à Rome, c'est une grande ville, Rome. Et comme toutes les grandes villes, bon, les abords des grandes villes sont rarement réussis, malheureusement, hein. Je crois que l'ère des autoroutes, des banlieues, des villes tentaculaires n'a pas fait beaucoup de bien aux abords des villes. Et c'est vrai que, bon, la dernière étape, notamment pour arriver à Rome, c'est vraiment pénible, hein. C'est marcher quasiment sur des équivalents du périphérique parisien, ou presque, des routes nationales extrêmement fréquentées, très sales, encadrées de bâtiments vraiment bon, de mauvaise facture. Et puis, bah, finalement, on arrive à Rome avec la vue sur Rome. Alors là, on a son petit moment d'émotion. Moi, j'ai eu mon petit moment d'émotion, mais pas tant que ça, parce que c'était une journée où il faisait pas très beau, assez nuageuse et pluvieuse, et puis on arrive à Saint-Pierre-de-Rome. Et bon, moi, c'était très rigolo parce qu'il y avait une journée de, il y avait une cérémonie de sanctification de quatre saintes du Liban et de Palestine, je crois. Et donc, il y avait des présences de représentants de tout un tas d'ordres religieux qui venaient de tout le monde catholique. Donc, il y avait des religieuses de tous les ordres possibles, des religieux de tous les ordres possibles avec leurs habits différents et puis qui riaient entre eux, etc. Ça faisait un petit peu musée de la vie religieuse. C'était rigolo. Et puis voilà. Et puis on entre dans le Vatican et entrer dans le Vatican et notamment alors au-delà de la basilique Saint-Pierre, derrière les grilles du Vatican pour obtenir son testimonium, c'est quelque chose d'assez amusant. Et voilà, on voit toute la majesté de l'Église catholique romaine avec ses grandes statues en marbre très impressionnantes. Et c'est vrai que c'est une vision de l'Église très très puissante, entre guillemets, voilà. Ouais. Non, en fait, toi, tu viens de parler de, bon, comme c'est un petit peu fatigant l'arrivée à Rome parce qu'il y a de l'asphalte, il y a beaucoup de trafic, tu rentres dans une grande ville, donc une métropole. Les dernières années, en fait, tu l'as fait en 2015, récemment, la région, la commune et les communes, ils ont bien travaillé ensemble pour trouver une alternative pour rentrer à Rome avec les dernières 5 ou 6 km, avec Ouais. un chantier. Une piste piétonnale, on peut dire, à côté du chemin du fer. Et donc, Oui. beaucoup plus agréable. Et voilà, c'est beaucoup moins fort l'impact. En certain moment, tu arrives à Rome et tu fais 800 mètres, tu arrives vraiment au Vatican. Et je passe un bonjour à David, Ah Aquapendente, oui. identité et fierté. Il dit l'Aquapendente est une touche première étape de la frontière dans les Lazio. Et à Michel aussi, Michel Thomas Pennet, nous rappelle l'importance de la visite de Santa Maria della Scala à Siena, en fait, une formidable page d'histoire où la Via Francigena passe dans l'hôpital, une expérience inoubliable. En fait, Siena, c'est une ville très, très liée au chemin, à la Via Francigena et au pèlerinage. En fait, Cyprien, tu es arrivé à Rome. Est-ce que tu avais prévu de continuer alors? Tu as réfléchi, tu as changé ton programme. Qu'est-ce que c'est arrivé quand tu es arrivé à Rome? Alors, ben je m'étais déjà dit quelques jours plus tôt que je continuerais. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais à Rome, je savais que je continuerais. Quand je suis parti d'Aoste, je me disais qu'il était possible que je continue au-delà de Rome, mais j'en savais rien. Et puis, ben, du côté des Apennins de la Toscane, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, ben, je continuerai au-delà de Rome. Et donc voilà, donc j'ai acheté le guide à San Gimignano. Voilà, c'est à San Gimignano. Il y a une petite librairie spécialisée dans la Via Francigena, je crois, à San Gimignano. Et à San Gimignano, j'ai pu acheter le guide italien de la Via Francigena del Sud. Et donc j'ai pu continuer mon chemin grâce à ce guide italien des éditions Torre di Mezzo. Et en fait, comme tu le disais, bon, on parle d'un chemin à l'époque encore, déjà maintenant, c'est un chemin qui vient d'être certifié, mais donc on doit faire encore beaucoup de travail sur les balisages, l'accueil, mais et quand même, il y a un chemin officiel. 2015, pas encore. Et comme tu le disais, même dans ton livre aussi, on parle certainement d'une expérience plutôt
personnelle et spirituelle. Ça change beaucoup, ça change profondément l'expérience personnelle, la frontière du Sud, parce que c'est moins rempli du monde. Et aussi les rapports avec les personnes, tout le monde qui peut rencontrer, n'est-ce pas? Ouais. Oui, bah là, il y a une grosse différence, c'est que moi, j'ai rencontré aucun pèlerin, aucun marcheur entre Rome et Otrante. J'ai croisé personne, c'est-à-dire que j'étais toujours tout seul. Alors, bon, bah ça. Et puis, le chemin était, en tout cas en 2015, absolument pas balisé, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une étape qui était balisée, mais enfin, pour le reste, je devais m'appuyer sur mon guide seulement. Alors, ce qui était nouveau, bah, c'était cette solitude. Alors, ça avait des aspects parfois négatifs. Bon, bah, parfois, on passe vraiment la journée tout seul. Mais les aspects positifs, c'était que comme c'est un chemin qui n'est pas emprunté, les gens étaient beaucoup plus curieux de ce que je faisais. Et donc, il y avait beaucoup plus de gens qui venaient me poser des questions, qui venaient me demander ce que je faisais là. Et puis, beaucoup de gens aussi qui me proposaient de l'aide, qui m'invitaient à boire le thé, enfin le café plutôt en Italie, on ne boit pas trop le thé, boire le café, à boire du jus d'orange, qui me donnaient, j'ai eu souvent dans des cafés où je m'arrêtais, on me donnait des gâteaux ou de la pizza en plus. Parfois, on m'a invité à dîner dans une maison. Bref, il y avait beaucoup de gens comme ça qui étaient très disposés à m'aider, on m'accompagnait. Il y a des moments où je me perdais puisque bah, le guide, j'avais seulement des cartes qui étaient dessinées, donc je me suis perdu plusieurs fois. Et les gens m'accompagnaient pendant 3 ou 4 km pour me montrer le chemin. Enfin voilà, il y avait tous ces comportements-là qui étaient très agréables. Ça, c'était vraiment un trait très, très très frappant, je trouve, de cette Via Francigena del Sud. C'était la sollicitude des gens et leur curiosité. Et c'est vrai que quand on est pèlerin et quand on marche tout seul, ben on inspire, alors je vais pas dire la pitié, mais une forme de sympathie. Bon, on est tout seul, on est fatigué, on est un peu sale, etc., etc. Donc tout ça, ça entraîne de l'empathie. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'agréable dans la marche à pied en général. Et moi, je m'en suis rendu compte spécialement pendant cette partie-là. C'est l'empathie des gens pour le marcheur à pied. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dans cette partie-là. Et puis, il y avait des choses qui étaient un peu marrantes, un peu amusantes et qui sont, voilà, un trait de l'Italie, hein. C'était la concurrence entre le nord et le sud. Et les gens du sud qui disaient, oui, bon, nous, c'est un peu moins bien organisé, mais on pense pas qu'au business, on est sympa, voilà. Bon, et il y avait comme ça on s'envoyait un petit peu des pics entre gens du nord et gens du sud. Et ça, c'était quelque chose. Alors, c'était souvent du second degré, mais voilà, on sentait qu'il y avait quand même cette petite concurrence qui existait et qui était bah, sympathique. En tout cas, vu de l'extérieur, c'était sympathique. Non, en fait, je trouve aussi qu'entre la Francigena du Sud, un chemin en train de se développer au niveau de parcours culturel des communautés locales, il y a aussi beaucoup de similitudes avec la Francigena en France maintenant. C'est-à-dire que si tu fais la Francigena en France maintenant, c'est un parcours encore un peu plus solitaire. Tu ne rencontres pas de millions de pèlerins, comme peut-être des milliards de pèlerins comme en Toscane. Et voilà, je demande à Martine aussi d'ouvrir une petite parenthèse. On a déjà un petit peu parlé, mais c'est bien aussi d'en parler aujourd'hui. Parce qu'en France aussi, si tu marches aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais c'est vrai que peut-être il y a beaucoup plus de feeling avec, si tu rencontres, tu vas dans une boulangerie, tu vas dans un café. Les pèlerins, encore, ce n'est pas encore quelqu'un de très connu sur la route, n'est-ce pas, Martine? Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai que enfin, les gens qui marchent, les pèlerins qui marchent sur la Via Francigena, 80%, je pense, ont déjà fait chemin de Compostelle, ou même plusieurs fois. Et là, ils découvrent complètement autre chose, une autre ambiance, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est aussi ça, je pense, qui est recherché actuellement sur la Via Francigena en France. Par contre, les commerçants ou les habitants sont très heureux de voir du monde. Ça fait vivre les petites communes, la ruralité. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est important. Il y a quelques années, en 2012 ou 2014, voir une personne qui traversait un village de 200 ou 300 habitants avec un gros sac à dos. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est? C'est un marginal? D'où vient-il? Et maintenant, ben, voilà, ça devient plus convivial. Les gens sont heureux de voir du monde. Si je prends mon village, moi, les gens vont proposer d'ouvrir l'église ou
Bah, de discuter, de passer un petit peu de temps, ou d'offrir à boire ou de l'eau. Enfin, voilà, c'est bien. C'est bien. Et ouais, peut-être, oui, moi, le Via Francigena Sud, je ne l'ai pas fait. Je n'espère pas un jour d'avoir le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau de l'ambiance, même si aujourd'hui en France, donc je dis ça aussi pour Cyprien, de Calais à la frontière suisse, on a un balisage maintenant qui est en place, qui ne va faire que s'améliorer. Et au niveau du gouvernement, c'est pareil, à la frontière, il faut dire qu'il n'y a pas assez d'hébergements. Il y a des hébergements de toutes sortes. Il y a de plus en plus justement d'hébergements chez l'habitant, certainement comme dans la Via Francigena Sud. Oui, mais, en fait, je viens de lire les messages de Miné, notre membre de la AFWF, c'est Légis, et dit, c'est un bel événement quand un marcheur passe dans un village. C'est vrai qu'il y a cette sens d'identité très fort entre l'habitant de la communauté locale et le pèlerin, le marcheur qui arrive. C'est très beau cet échange. Et Cyprien, à toi de nous raconter la dernière partie de ton long voyage de Montpellier, surtout la partie de Pouilly, qui est la région Pouilly, c'est très longue. Oui, oui. Bah oui, les Pouilly, c'est très long. Alors, avant d'arriver dans les Pouilly, il y a quelque chose qui est très rigolo aussi pour les Français. C'est le village de Celle di San Vito. Celle di San Vito, c'est dans les Apennins, c'est juste avant de descendre vers la plaine des Pouilly. Et Celle di San Vito, c'est un village dans lequel on parle provençal. Alors, on se demande comment ça se fait que des gens parlent provençal comme ça dans ce petit village minuscule. Hein, il doit y avoir 300-400 habitants des Apennins en Italie. C'est parce que au Moyen Âge, il y a Charles d'Anjou qui était le frère de Saint Louis, qui est devenu roi de Naples et qui, pour protéger la côte des Pouilles des Sarrasins, a décidé d'installer des gens qui venaient de là, de son duché, hein, de son comté de Provence. Et il a donc installé des Provençaux dans un village pour protéger le village. Et depuis le XIIIe siècle, dans ce village de Celle di San Vito, on parle provençal et c'est quand même quelque chose. Qui est frappant. On parlait de Jacques Le Goff tout à l'heure pour ce qui est de la longue durée à travers l'histoire, c'est quelque chose qui est frappant. Alors après on descend vers les Pouilles. Alors les Pouilles c'est une très longue région effectivement, que si on va jusqu'à Autrente, puisqu'on en a encore pour à peu près 2 semaines voire un peu plus de marche, hein, si je me souviens bien. Les Pouilles, ça commence par le Tavoliere. Le Tavoliere, c'est la Alors oui, il y a cette belle citation, ces graffitis. Alors ça, c'est vraiment, je fais une parenthèse, mais c'est vraiment un aspect magnifique de l'Italie et de la population italienne. Moi, c'est les graffitis des Italiens un peu partout, avec des choses très poétiques. Et ça, je trouve ça superbe. Alors là, c'est « I miei giorni più belli nel mondo, io vissuti con te, tanti auguri fra », c'est-à-dire mes jours les plus beaux sur Terre, je les ai vécus avec toi, bon anniversaire frangin. Et imaginez un petit enfant qui écrit ça sur un mur, je trouve ça superbe. Et j'avais vu quelque chose d'autre un peu plus loin que je trouvais superbe aussi, c'était un texte qui est, c'était c'est la conquista più bella nel mondo dopo la presa del palazzo d'inverno, c'est-à-dire tu es la plus belle conquête au monde après la prise du palais d'hiver. Et en dessous il y avait un cœur, une faucille et un marteau. Et être capable de ça, moi je trouvais ça superbe. C'est bref. Donc je ferme ma parenthèse sur la poésie italienne et je reprends le Tavoliere. Donc le Tavoliere, c'est cette longue plaine, cette plaine à blé des Pouilles. Alors là, c'est de vastes horizons. Très au loin, on voit le Gargano et puis on voit la mer au départ. Et puis il y a ces magnifiques petites villes avec leur cathédrale en dentelle de pierre comme Troia. Troia, c'est vraiment une ville superbe. Et puis il y a Canossa di Puglia. Canossa di Puglia, c'est un gros bourg, mais qui ressemble vraiment à une médina. On a l'impression d'être en Afrique du Nord. On pourrait être en Algérie, on pourrait être au Maroc, avec des petites maisons blanches, des carrés blancs comme ça qui sont posés sous le soleil. Et ça, c'est vraiment aussi une des grandes beautés de cette région des Pouilles, hein, ces grandes plaines à blé avec ces bourgs blancs sous le soleil. J'ai trouvé ça très beau. Et puis à Troia, j'avais été accueilli par un fou du chemin qui s'appelle Michele, je crois, si je me souviens bien, qui a créé son accueil pour les pèlerins
et qui lui a fait tout un tas de chemins. Alors il est parti du Mont-Saint-Michel pour aller jusqu'à Ah Monte oui, il Santiago. s'appelle Michele del Giudice, Cyprien peut-être. C'est un vieux homme avec la longue barbe. Il Ouais. est super fan de la Frangina. Il a marché Voilà. beaucoup de fois. Il connaît tous les chemins par cœur. Il a marché de Saint-Michel jusqu'à chez lui. Il est, voilà, c'est vrai, il est tombé sur Ouais. les bons. Et il est allé jusqu'à Jérusalem aussi, hein. Il a marché de Monte Sant'Angelo jusqu'à Jérusalem. Enfin bref, c'est vraiment un personnage. Et voilà, donc ça c'est le Tavoliere. Et puis peu à peu on arrive sur la côte. On arrive à Bari. Alors arriver à Bari, c'est un peu comme arriver à Rome, hein. C'est une journée de marche qui est pas très agréable jusqu'à Bari. Et puis par contre Bari, c'est une ville très belle, hein. Un vieux port sur la Méditerranée. Avec son vieux centre historique médiéval où il y a encore quelques palais qui sont habités maintenant par des gens plutôt modestes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez réjouissant en Italie, c'est que les centres-villes sont pas forcément complètement gentrifiés comme en France la plupart du temps, et donc il peut y avoir des centres-villes habités par des gens plus modestes, et ça c'est beau, enfin j'aime bien. Et ce centre de Bari est entouré par le Borgo Mulatiano, le quartier de Murat, du maréchal Murat, qui avait été placé par Napoléon sur le trône de Naples, le trône des deux Siciles, et qui avait aménagé Bari. Voilà. Et puis Bari, c'est aussi la ville de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas de Bari, avec la cathédrale qui est la seule cathédrale qui est à la fois catholique et orthodoxe. Et donc, il y a beaucoup de Russes qui viennent là. Parce que Saint Nicolas est un grand saint dans la tradition orthodoxe. Et puis c'est Saint Nicolas, donc il y a ces reliques qui sont là, et c'est la vieille histoire des vols de reliques au début du Moyen Âge, un peu comme Saint Marc qui s'est retrouvé à Venise après avoir été volé à Alexandrie. Ben là, c'est un peu la même histoire. On est allé voler les restes de Saint Nicolas chez les infidèles, entre guillemets, hein, dans des territoires qui ont été conquis par les musulmans, pour créer, pour les ramener à Bari. Et donc c'est un grand sanctuaire que je connaissais pas, mais qui attire beaucoup de Russes notamment. Oui, en fait, c'est un point très important, la ville de Bari, qui est une ville symbolique de la Via Francigena. Et surtout, tu as parlé de le fait qu'il y a des orthodoxes là, où il y a une communauté orthodoxe nombreuse. Et la Francigena, en fait, comme le dit le Conseil de l'Europe, c'est aussi un pont de dialogue, un projet de dialogue interculturel, mais surtout interreligieux, parce qu'on parle dans la Francigena, l'église anglicaine, l'église protestante, l'église catholique, voilà, et l'église orthodoxe. Donc, c'est Ouais. vraiment un bon exemple de dialogue, comme la ville de Bari et le Sud, c'est un mélange, un melting pot de cultures, dans l'architecture, aussi dans la cuisine. Et en fait, c'est vraiment un mélange extraordinaire et magnifique de culture. Et Bari, c'est une ville extraordinaire, totalement. Là, c'est Ouais. la Bari vecchia, la vieille Bari, Ouais. de se perdre dans les petites rues. Et c'est là où, en octobre l'année passée, on a fait l'Assemblée générale, et Martin était là, pour certifier officiellement la frontière du Sud. Donc, il y a vraiment une certaine chaleur qui était bien respirée. Quand tu peux revenir encore, Cyprien, tu Ouais. seras bien accueilli. Il y a un message de Monsieur le Président Massimo qui dit qu'en fait, la frontière, la voix, elle a vraiment besoin d'historiennes comme toi. Donc, tu seras la bienvenue dans la famille de la frontière. Et voilà, on va continuer parce qu'à Bari, il y a notre super ville qui c'est Lecce. Ouais, ah oui. Alors oui, Lecce, un tout petit peu plus au sud, là, dans le Salento, avec c'est une merveille de ville baroque. Lecce, avec une pierre, la Petra Lecce, la pierre de Lecce, qui est une pierre blonde, qui est très malléable, et avec énormément de sculptures et des édifices baroques, des palais et des églises aussi qui sont magnifiques, hein, taillées dans cette pierre de Lecce, qui au départ était une petite bourgade. Et puis parce qu'il y avait cette pierre très facile à travailler, et parce qu'il fallait aussi montrer qu'on tenait le sud de l'Italie. Hein. Le sud de l'Italie, pendant longtemps, ça a été soumis à des raids de pirates, notamment sarrasins. Donc, pour montrer qu'on maîtrisait le sud de l'Italie, on a voulu en la transformer, enfin la faire évoluer vers une ville d'art. Et c'est pour ça que cette ville de Lecce, c'est vraiment une très belle petite ville. Enfin, c'est assez incroyable, hein, d'ailleurs, avec une unité dans le baroque qui est magnifique. Donc Lecce, oui, c'est vraiment un lieu superbe. Et puis c'est la dernière étape, hein. Lecce, moi ça a été ma dernière étape, Lecce à Otrante. Alors
C'était ma dernière étape, donc je me suis dit que j'allais me faire mal. Donc j'ai fait une étape d'une cinquantaine de kilomètres, là, Lecce à Otranto, à Otrante, pour arriver sur cette plage d'Otrante, qui est le point final. Otrante, il y a aussi une cathédrale superbe avec une basilique, une mosaïque, pardon, gigantesque de l'arbre de vie. Alors c'est un moine qui a fait tout le pavage de la cathédrale est une mosaïque avec des monstres, avec les différentes étapes de l'histoire de l'humanité telle qu'on se la représentait à l'époque médiévale, avec Alexandre le Grand, avec les travaux et les jours dans les campagnes des Pouilles au Moyen Âge. Donc une ma magnifique magnifique petite magnifique cathédrale. Et puis voilà, c'est le point final, hein, c'est là où on arrive. Donc c'est aussi quelque chose d'émouvant de pouvoir se baigner dans cette mer Méditerranée qui marque le point d'arrivée. Oui, en fait, quand tu marches au lit, tu as toujours la mer à ouest qui accompagne ton chemin. Et en fait, la Pouille, par rapport à d'autres régions, elle a plusieurs, on peut dire, mettre destination, Monte Sant'Angelo, Paris, Brindisi, Otranto et Santa Maria di Leuca encore plus à la fin, c'est un petit peu la Finistère italienne, le chemin de Saint-Jacques. À partir de la semaine prochaine, en fait, dans notre espace virtuel de partage et live, on va vraiment raconter l'histoire de destination à partir de cette ville-là, Monte Sant'Angelo, Rome au Canterbury, mais sinon Paris, Brindisi, Otranto, Santa Maria di Leuca, parce qu'ils ont chacun une histoire très importante au niveau d'histoire, de patrimoine, et sont très liés à la Francina. Donc c'est très bien de faire connaître la Francina à travers l'histoire. Donc merci. Merci Cyprien pour ce long voyage à travers 2000 km, en résumé en 40 minutes. Mais je te remercie parce que tu as fait un super synthèse. Ça me donne super envie de nous mettre sur la route. Et en fait, bon, on est déjà presque à la fin d'une heure, mais je voulais aussi te poser une question plutôt comme un randonneur pèlerin. En fait, oui, tu as marché sur la route, un petit peu, on a dit, soit comme pas pèlerin, soit comme randonneur. Et je demande c'est ton point de vue aussi de Martine, la valeur sur toi aujourd'hui, que la Francigena et les chemins pluriels, le tourisme durable, ils ont, surtout après le coronavirus, c'est-à-dire le tourisme nature, mais surtout dans ces cas-là, le tourisme culturel avec une âme spirituelle très forte. Et ben, Et Martine, tu peux commencer à toi, alors, et après je laisse un peu Cyprien. Je réfléchissais, je me dis, j'oserais, je ne sais pas si c'est bienvenu comme mot, mais j'oserais parler presque d'une opportunité, ce temps de confinement que nous avons eu, et même maintenant au niveau du déconfinement qui va se faire petit à petit. À chacun de réfléchir à la façon dont il vit et à la façon dont il va vivre désormais ses vacances, ses déplacements. Je pense que chacun doit réfléchir peut-être à un tourisme plus responsable, plus innovant. À mon avis, à un bon moyen pour se recentrer plus localement. En tout cas, là, dans l'immédiat, plus localement, ce sera aussi un bon moyen. Là, c'est peut-être mon côté élu qui parle, mais peut-être un bon moyen pour aider au développement des petits territoires ruraux, mais bien loin du tourisme de masse. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et puis surtout, justement, une réflexion de se tourner plus vers un tourisme au niveau des itinéraires de pèlerinage ou des itinéraires culturels européens, justement plus orienté vers la culture. Voilà, c'est ma petite réflexion. Je ne sais pas, Cyprien en a certainement bien d'autres. Non, moi j'abonderais volontiers dans votre sens. C'est vrai que je pense que cette volonté un peu de se mettre au vert, elle a pu être un peu confirmée par ce qu'on est en train de vivre. Et moi, il y a le côté de la proximité que je trouve très important, c'est-à-dire de se dire faire des longs voyages très loin, très polluants. C'est quelque chose dont on voit bien que c'est à bout de souffle. On va pas pouvoir continuer à vivre de cette manière-là, alors que ces chemins
européens, on peut les emprunter. Moi, j'ai pas pris l'avion. Enfin, j'y suis à Aos, j'y suis allé en train. Je suis revenu d'Otrante en train aussi. Donc, et puis pendant 2 mois et demi, bah, j'ai marché par définition. Donc ces voyages-là de proximité, sans avoir besoin de prendre l'avion, en essayant de voir la beauté pas très loin de chez soi, finalement, c'est quelque chose qui me paraît avoir de l'avenir. Et peut-être que voilà, c'est quelque chose qui pourrait avoir, hein. Ça pourrait être une bonne leçon, peut-être, entre guillemets, de cet épisode qu'on vit. Non, moi, je suis d'accord avec vous deux. En plus, je trouve que surtout aujourd'hui, c'est une opportunité extraordinaire pour les petites communes, les petits villages dont elle est remplie, la Via Francigena, comme on a évoqué Oriolite en Italie, au Champlit, au Martigny en Suisse. Et on parle de l'Europe rurale, l'Italie rurale, avec des petits villages et les communautés locales, comme vient de dire Marie Sfago, que je remercie pour les commentaires qu'il vient de faire. En fait, les communautés aussi sont prêtes vraiment à accueillir aussi les pèlerins, les randonneurs, avec beaucoup de plaisir, au mieux connaître les valeurs que les pèlerins, les randonneurs, ils viennent apporter à la communauté locale. Et en fait, Cyprien, bon, cette année, je ne sais pas au niveau des confinements si les Français pourraient encore sortir de la France comme les Italiens peuvent sortir d'Italie. Sinon, voilà, tu seras encore les bienvenus, bien évidemment, pour revenir à marcher sur la France. Parce qu'après 5 ans, tu voudras beaucoup de, voilà, upgrade, changement, c'est beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais surtout en France aussi, c'est pourquoi pas, si tu veux commencer à marcher pas à pas, connaître des petits tronçons de la Francigena en France. Et comment tu as fait ton livre, voilà, Voyage en Italie, pourquoi pas bientôt faire le livre, le voyage en France. Et si je ne me trompe pas, tu viens de publié, c'est l'année passée, non, pour donner une autre livre, si je te l'ai sauté pour la conclusion, ça t'intéresse au niveau culturel, la publication que tu viens de faire. Oui, bah le deuxième livre que j'ai sorti, alors Via Francigena, c'était le premier. Le deuxième livre, ça s'appelle Une terre étroite, et c'est un récit de voyage, reportage en Israël et Palestine, parce que j'y ai passé un été. Et donc, bah, j'en ai tiré un livre qui permet un peu bah, de. Qui est une forme d'essai, de reportage, de récit de voyage, qui essaie de raconter un peu ce que j'ai pu voir. Et notamment, bah, il y a tous les aspects géopolitiques aussi, hein, de cette situation-là, dans les camps de réfugiés palestiniens, le mur, les tensions qui peuvent exister, les colonies. J'ai essayé d'aller voir, je suis allé voir tout ça, je suis allé voir les camps de réfugiés, je suis allé voir les colonies, je suis allé voir les différentes villes palestiniennes et les villes israéliennes, je suis allé voir Jérusalem, évidemment, et j'ai essayé de raconter ça. Voilà, c'est ça l'objet de ce deuxième livre. Alors, je viens de, bon, finir avec ce beau message de Michel Thomas-Bennett, encore une fois, que je remercie pour être encore parmi nous. La culture, les partages, l'esprit des rencontres de l'autre, l'esprit des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe depuis la recommandation de 1984. Revenir aujourd'hui à l'origine, à l'essentiel. Merci à tous ceux qui accueillent et organisent la Via Francigena. Et voilà, donc je pense qu'on peut vraiment terminer avec ces mots, et j'espère, Cyprien, aussi que toi tu es un prof d'histoire, donc tu as avec des étudiants, et pourquoi pas proposer aux étudiants un voyage sur la France. Il n'y a pas de 2 mois, 2 mois, mais déjà 2 semaines, 1 semaine ou quelques jours, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors, encore une fois, merci, merci Martine, et surtout merci Cyprien pour ces magnifiques voyages qui peuvent nous faire apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Nous sommes beaucoup plus enrichis aujourd'hui. Et bon, alors à bientôt et à vous tous, bonne route. Ciao! Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir à tous. Ciao.